Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream. Ce soir, je vous retrouve sur le Resident Evil 4 Remake pour continuer notre aventure avec Leon Scott Kennedy. Nous sommes au début du chapitre 10. On est parti pour lancer ce nouveau chapitre et cette aventure. Donc, j'ai fait des petits changements. Donc, je me suis aperçu que j'avais oublié un trésor avec Ashley. Donc, j'ai refait un petit peu l'avant. Donc j'ai récupéré ce trésor avec Ashley que j'avais oublié à un moment quand je suis mort une fois au début. En gros, j'ai oublié un trésor là et c'est tout. Et après, il y aura quelques petites modifications, mais il faudra pas vous inquiéter. Alors, du nouveau sur l'ambre? Désolée, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Tiens. Léon, t'as laissé tomber? Ada? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein? Hé, hey, Ada? Ada? Alors de toute façon, on va falloir qu'on y retourne, on a des choses à faire. Donc je récupère déjà quelques trésors. Donc je vais sortir tout de suite ma couronne de la dernière pierre qui me manquait. Comme ça je pourrais la revendre tout de suite à 100 000 pièces. Et après là je vais devoir encore trouver une autre pierre d'une autre couleur. Idéalement un autre saphir. Et comme ça j'aurai la lampe à fond. Donc là je vais pouvoir revendre et me refaire un peu plus d'argent. Je pense que je repasserai ici pour faire du stand de tir, tiens. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Bienvenue. Donc je vais vendre de nouveau pour ça. Toi, déjà je me fais 110 000. Merci. Ouais, on a accès au Striker, le fameux fusil à pompe qui est sympathique. Ce que tu vois là, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Recharge grenade lourde, je prends, ça je prends. Tu fais des réserves au cas où. Voilà. C'est une sage décision, ça. Mon raid 9. Donc là, ça va me coûter 33 000. C'est tout ce que je peux faire pour cette arme. Par contre, non, rien, laisse tomber. Donc là, je vais attendre d'avoir encore assez d'argent pour avoir l'amélioration spéciale. Et là, je pourrais avoir de la poudre noire, bref. Comment? Le viseur des armes servira. Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? La poudre en plus, je dis pas non. Reviens quand tu veux, surtout. Parfait. Donc voilà. Après, là, dès que j'aurai le raid 9, bon, par contre, les munitions, on est un petit peu light, on va dire. Je me refais quelques mines de quoi maintenant. Via lunettes. Parfait. Par contre, je peux encore peut-être fabriquer une grenade. Ah, il me faut 11 pour la grenade. Mais franchement, le bordentif, l'ourson, il est très 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 fort. Et si vous pouvez l'avoir, franchement, prenez-le. Une autre grenade incendiaire. Grenade incendiaire aveuglante, pardon. À un moment, il faudra pas que j'oublie qu'il y a un trésor qu'il y a dans les remparts. Mais bon. Là, déjà, mon but, ça va être d'aller à la bibliothèque parce qu'il va y avoir de l'action. Parfait. Bon, j'ai encore une balle de magnum hein, que j'utiliserai. Donc ok non, c'est pas pour tout de suite là. Oh, chevalier sans pitié. Je cherche une âme courageuse, capable de me débarrasser de chevaliers monstrueux. Mais attention, il est beaucoup plus fort que les autres. Il a vaincu les meilleurs d'entre nous d'un seul coup d'épée. 8 spinels de récompense.
Ok. Donc là, j'avais tout récupéré avec Ashley. Il y avait 4 clés, donc une clé par à usage unique. Oh, wait a second, j'ai loupé des balles de pistolet. Ah, plus j'aurai de balles, mieux je me porterai, j'avoue. Alors, elles étaient où? Sur le meuble? Ouais. Bon. On a un Red 9 avec un chargeur full et 3 chargeurs Dresdor. À quasi 3,47 parce que 16 fois 3,48. Ah. C'était le drap qui nous manquait, tout qu'on avait fait. Donc déjà une première requête d'accompli. Ça on peut le casser. De la poudre. Attention, on les entend. Hein. Il y en a un là-bas, on l'entend d'ici. Alors, on va se faire du cache-cache. Ah. Vite. Comme ça on fait vite sortir la tête. Parfait. Premier chevalier d'abattu. Il est où le numéro 2, il est où? Ah, t'es là toi. Oh, parfait. En fait, faut essayer de viser leurs tentacules. Ils sont sur le côté du casque. Hop, problème de chevalier réglé dans cet étage. Par contre, il y avait une lampe ici qu'on n'avait pas pu prendre avec Ashley. Alors, je me demande si on peut tenter de lui donner un coup de couteau. Non. Je vais tirer une balle, obligatoirement. C'est un diamant jaune. Ok. Alors, notre cube est là. Ah, on a une urne à péter, là. Il n'y a rien d'autre. Là, avec Ashley, on avait récupéré tout dans avec le coffre. Et on va récupérer cet objet. Alors. Parfait. Oh. Un lynx doré. Il y en avait un sur l'île dans le Resident Evil 4 originel. On va le sortir tout de suite. Et bon, on va faire quoi? Parfait. Comme ça, il nous coûtera 39 000. Et là, il nous manquerait encore un truc. Bon. On va s'occuper de ça déjà. On va essayer de s'occuper aussi de ce maudit chevalier maléfique. Oh, lui, il a douillé. On va aller voir ce qu'il reste dans la bibliothèque. Il y a sûrement quelque chose à aller chercher. Et c'est un avec le cube en plus. Bon là on est tranquille puisqu'on a battu les deux gus en armure.
À moins qu'il y en ait un troisième. Il y a une urne déjà, hop. Balle de fusil à lunettes, c'est encore mieux. Parfait. Ah, c'est ici. Alors. Donc là, il faut inverser ça. Très bien. Est-ce que c'est ce que je pense ? Fusil d'assaut CQBR. Un fusil entièrement automatique, la longueur optimale de ce canon permet d'équilibrer la puissance et le poids pour des tirs précis. Ça, c'est un petit clin d'œil à RE3 Remake, ça, avec le card aussi, il me semble. À moins que il y en ait eu un autre avant. Eh ben, écoute, on aura une arme supplémentaire à utiliser. Ok, on est pas mal. Alors, où sont ces maudits chevaliers déjà? Ah, il faut que je descende là-bas, c'est vrai. Écoute, on va aller les chercher. On va aller les chercher. Hein. Ah oui, non, c'est pas le bon chemin. Ça nous ramène au trésor de cache qu'il nous avait donné. Hop, un petit peu plus d'argent. Par contre, le chevalier là, on l'a déjà tué alors. Encore de l'argent. Là, on va être pas mal. Hein. Comme ça, on pourra faire notre trade neuf et en mode exclusif. On a deux grenades aveuglantes. Ouais, on est bien. Hein. On a un spray. Bon, le bal magnum, évidemment. Bon, j'ai récupéré le magnum, je l'ai pas revendu, j'ai pas fait l'erreur. Ce qui m'avait franchement semé le doute, c'est l'emplacement du trésor. Alors, je vais rajouter le CQBR en raccourci, je vais le mettre là. Bon, voilà nos trois amis. Ah, qu'est-ce que je disais? Où est-ce que j'ai mis mon nouveau prêt? Waouh, ok. Monsieur a du coffre. Oh là là. Ok, le chevalier noir, il va être costaud. Oh, j'ai une grenade. Je crois qu'on en a ouvert un. Wow. Aïe. On a eu les deux petits, mais on n'a pas encore eu le grand. Oh. On en a eu un. Bon, la balle de magnum a fait mouche. Parfait. On a pris tarif quand même. Oh, rubis diamant jaune. Et le saphir, il est là. Et le saphir va pouvoir compléter notre lampe papillon. Voilà. Donc là, on va se faire 65 000. Ce
Il y a des choses qu'on n'a pas pu casser à un moment. Bah tiens. Parfait. Let's go. Oh, 2 balles de magnum. Alors, par contre, il me dit que j'ai encore 3 munitions. D'accord, là on prend aussi bien des munitions de fusil. D'accord, il prend aussi des munitions de fusil, notre ami. Ok. Wow. Là, on va remplir notre magnum. Notre pompe, on va le recharger, même s'il y a que 3 balles. Tu craches pas dessus. Un bleu velours, des PC tasses. C'est plutôt pas mal, là. On a rien oublié, normalement. Non, on se casse de ce mausolée, de toute façon. C'est là la petite subtilité, et je comprends pourquoi plus de gens ont eu pour le succès du trésor de l'île que du château. Parce que là, on peut vite oublier un trésor en arrivant. Moi, ce que j'avais fait, donc ce que je vous conseille de faire, quand vous arrivez à Ashley, vous tournez tout de suite à droite, derrière cette espèce de paravent, et vous verrez le coffre. Et après, quand vous redescendez, ça sera sauvegardé automatiquement, et vous êtes sûr de, même si vous mourrez, bah, vous faites pas avoir. Là, on va retourner voir notre ami le marchand. On va faire nos 2 requêtes. Et on va aussi récupérer des thunes. Et on va améliorer notre N9 en mode exclusif. Qui va avoir une puissance de feu de l'enfer. Là. Parce que là, ça nous fait une spinelle en plus. Alors, je veux juste voir un truc au niveau des requêtes. Il nous reste combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on en aurait fait. Je crois qu'il y en a 19. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 requêtes, hein, pas mal. Pas une sortie dans le coin. Attends. Il va falloir que je refasse le tour dans la bibliothèque. Très bien. Le lion est équipé pour la... Et notre lunette qu'on a sur le fusil à lunettes actuel, elle est aussi pas un pour le CQBR que j'ai vu. Allez. Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. Pas mal. Alors, 3 spinels pour les rats et 8 pour le chevalier. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le Mathilda. Ah. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui fait sentir, je suppose. J'achète tout et n'importe quoi. Ah, je suis prêt à payer un... Et je vais même prendre le Mathilda, bon, même si je l'utiliserai pas. Ça, c'est une valeur. Et je vais le revendre. Est-ce que ce sera tout?
Un pistolet dont la carcasse est empoignée en équipement d'une croix, ça peut tirer une rafale de trois coups. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Une affaire bien conclue. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Allez. 100 000 pesetas pour l'amélioration spéciale du Red 9. On pourra difficilement faire mieux que ça. C'est un vrai travail d'orfèvre, l'ami. J'ai amélioré sa puissance de tir. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. J'ai encore d'autres bricoles en magasin, si tu veux. Et... Après, il a une puissance de 2, et là... Ouais, je reprends de CQBR, tant pis, hein. Il me servira pas non plus. En quoi puis-je t'être utile ? Merci. Et je vais me prendre de la ferraille. Tu sais, j'ai pas toujours ça. Reviens quand tu veux, surtout. Et là, c'est parti. On va se faire vite fait le stand de tir. On avait... Bah, j'ai refait les deux épreuves que j'ai fait en S. Par contre, là, les nouvelles, là, ça va être que du... de la découverte. Ça serait bien de l'avoir le succès avec les... Bienvenue, tu viens pour te défouler un peu, c'est ça ? Exactement. Un fusil à pompe, de quoi toucher une large zone avec une... Alors, il faut faire au moins 9000 et là-bas 12000. Oh, ok. 3, 2, 1, allez ! Coup triple ! Superbe tir ! Très, très bien. Oh, pardon. Oh, ça c'est moche, monsieur. Bon, ça part compliqué pour mon pompe. Ah, dur. Ah, ouais, évidemment. Alors. Ok, deux jetons d'argent. Alors, il y a une subtilité, donc là, il faudra mieux se placer si je comprends le truc. Ne laisse pas le menu froid. 3, 2, 1, allez ! Coup triple ! Toi, t'es un artiste, l'ami ! Oh, magnifique ! Fantastique ! Recharge ! On est à 5000 points, c'est pas mal. Oh. Ça ne te ressemble pas. Coup triple. Fantastique. Et c'est fini. Voilà. Ok, on s'approche. En fait, faut éviter de faire du... Ah zut, je me suis raté. Très, très bien. En vrai, je pense qu'il est pas compliqué au fusil à pompe. En fait, c'est juste une question de placement. Désolé, mais c'est une pénalité. Très, très bien. Bon, je me suis raté complètement. 9000. 3, 2, 1, allez, coup triple. Superbe tir. Oh, magnifique. Très, très bien. Recharge. On est à 5000. Mais... Dommage. Là on est sur du A. Les cibles disparaissent. 3. En fait, faut que j'arrive à mieux me placer à un moment. Allez.
5000, cela on est bon. Alors, attention ici. Okay. Attention. Ah, zut. Tu as combien? 8200. Il faut que je me mette tout à droite, à la fin. Ok. J'ai pas assez de temps en fait. Putain, hey, il manque pas grand chose hein. Ok, on est bien. Attention là. Ah zut. Ok, là il y a moyen. Bon, c'est bon. On a Roll Rand, est-ce qu'il arrive? Parfait. Eh ben, j'ai rarement vu une telle performance. Tu viens de quelle planète? Ok, on va peut-être prendre les jetons déjà. Tu t'en vas déjà? Ah, le devoir t'a fait. C'est quoi? Donjon Z, ok. Et 3 en or. Espérons un autre légendaire. Oh, revend depuis des munitions plus 40%. Bon, maintenant on va faire le parcours C. Alors, j'ai du mal à toucher une cible. 3, 2, 1, allez! De le faire aux pompes ici. Oh là, et il est où? Ok, là il faut que j'aille aux pompes. Première partie TMP, deuxième pompe. Là, ça devrait être du TMP. Alors. Ok. Une carabine te permet d'éliminer. TMP d'abord. Merde. Voilà, c'est ça.
Alors, ça donne quoi, là? Tu as un don pour ça, mon ami. Certaines des cibles... J'essaye. Si je peux avoir le rond S là-dessus, ce serait parfait. Merde, pompe. Là, il faut aller au TMP, je pense. Ah, j'ai tiré dans le trou dans le tas là. Les cibles disparaissent au bout d'un moment, hein. Ne laisse pas le menu. 3, 2, 1, allez! Voilà, faut être rapide. Eh hey. Olé. Oh, là, le pompe, faut y aller au pompe. Ça, c'est du spectacle. Très bien. Et c'est fini. Eh ben voilà. Ça, je peux même avoir des nouveaux jetons. Bon, ça a valu le temps. Je pense que le détour, il valait le coup. Il était pertinent, là. Les sœurs Bella, fréquence de création du Magnum. Ça coûte cher à faire, les balles de Magnum, quand même. Bon, au moins, j'ai tous les rangs S jusqu'à présent, et ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire une autre fois? Bienvenue! Je vais revendre des trucs là.
ton José, j'ai dit. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Attends, c'est quoi les effets de... Je vais regarder avant de les rendre. Et là, on pourrait faire un petit truc sympa, hein. 30. Après, je perdrai le bénéfice de la poudre. Ouais, non, je vais... Ouais. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes. Je revends. Don José, je revends. Et Sœur Bella, je revends. Trésor, eh bien, je vais certainement être ma pote. Bienvenue. Des armes. Allez, on va améliorer l'histoire de notre couteau. Voilà. Comme tu l'as... Reviens quand tu veux, surtout. Parfait. Non, c'est pas le bon côté. Là, le plan, c'est la prochaine salle. Oh. Berk. Wow. Putain de monstre. Y a pas un accès ailleurs. Je me disais. Wow. Je sens que je vais mettre les pieds dans un endroit qu'il fallait pas. Alors. Trésor d'extension. Ici. Et un jeton d'argent supplémentaire. Ok, là on va faire aller, on va y aller à la gâchette. On va faire les. Chronique de recherche 1, juillet, 2 ans après mon éveil. Ramon m'a confié une terrible mission afin d'atteindre la perfection observée chez nos frères et sœurs anthropodes. Je ne suis pas consacré à ma vie. Janvier, 4 ans après mon éveil. Mes efforts pour transfuser le liquide noir dans le corps sont sur le point de payer. L'utérus est la clé. Une âme pure serait être un sujet hautement malléable et capable de s'adapter. Janvier, 6 ans après mon éveil. J'ai bâti ces herbes sacrées extraits du ventre de quelques îles U2 en référence à mon prestigieux nom de famille. Les U2 sont presque aussi grands qu'une personne vue. Ils continuent à se nourrir, à se reproduire. J'ai réussi à créer une nouvelle espèce. Maître Ramon a reconnu mes efforts et m'a couvert de louanges. Il a laissé plus d'affection pour les Utu, les appelant Novistador ou Invisible. On m'a dit que sa sainteté de leur sainteté en personne était également satisfait de mon travail. C'est un immense honneur. Je peux à peine voir la plainte de ma plume à travers mes larmes de choix. Son âme de serviteur, Isidro Priate Talabera. Oh putain, c'est donc ça. Wow. Sérieux, Ramon, tu vas faire venir des assauteurs. Ok, on va essayer de s'éloigner d'eux.
feu, il ne vomira pas dessus. Ok, on a tout récupéré. Petite ferraille, est-ce qu'on peut fabriquer d'autres mines de pistoles? Parfait, là on est bien. Des mines. En plus, on aura des balles de fusil en plus là. Je vais regarder, je vais faire le tour vite fait. On peut passer par là ou pas? Ok, on pourra faire le tour. Wow. Une balle dans la tête. L'exclusivité du Red 9 fait vraiment la différence en standard. Psst. Il est là le trésor. Où je remonte. Il y a une échelle là. Je peux pas accéder à par cette étagère. D'autres balles de pistolet. C'est quelque part. Il y a une caisse là que j'ai pas vue. Je récupère de la ferraille. Vous avez le Red 9 ici, vous êtes bien quoi. Bon, ça va, on s'en sort pas mal. Je vais crafter des balles de fusil plus tard.
Attends. Je suis pas allé par là. Ou non. Un levier, une manip. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Je peux pas l'enjamber ça, sérieusement. Bien plus facilement gérable, je trouve, les Novistadeurs là. Comment on accède là? Il y a un truc, non? Ah oui, il faut que je fasse le tour par derrière. Ouais, au moins c'est de l'argent. Ah, il y a un coffre, la fissa. Oh, un scarabée doré. Aïe. Suivant. Ouais, on augmente encore notre santé à fond. Il manquera plus qu'il me fasse tomber de l'escalier. Qui en sort par là tout de suite. Aïe. Bon, au moins on aura récupéré pas mal de saphir. Alors, il y a un point, il y a un deuxième point, il est où? Je vais juste vérifier un truc.
J'entends pas l'automate. Hop, excusez-moi, je reviens juste un instant, au pire je couperai entre deux. Désolé, excusez-moi. Ah ouais, désolé, petit besoin pressant. Hop, là on s'est remis bien là. Oula. Il me fait mon jeu là. Ah. Il m'a fait une fatale erreur. C'est la première fois que j'ai ça. J'espère qu'on n'a pas tout perdu. Vraiment désolé. On va continuer, j'espère juste qu'on ne va pas trop refaire. Chapitre 10. Ashley parvient à libérer l'homme du piège duquel il est tombé. Malheureusement, il a retrouvé son de courte durée. La jeune fille, d'une nouvelle fois capturée, devant s'enfoncer dans les dalles du château pour la sauver. Bon, ça va. Oh non. Il y en a deux. Waouh. Attends.
Aïe, pas mal. Oh, attends, j'ai une idée. Joli coup. Attention, il y a le gros qui arrive. Ça plante le grand. Carreaux, mais j'en ai rien à foutre de tes carreaux. Par là. Attention. Wow. Ça. Une herbe verte, ça c'est cool. Une autre munition de pistolet. Ah ouais. Ah ouais, il m'enchaîne bien. Un petit coup de couteau bien placé là. Oh, joli coup ça. Ah bah on l'a eu celui-là, je l'avais pas vu. On a eu le petit mais on n'a pas eu le grand. Non, je crois pas non. Ouais, joli. Alors là, le problème, c'est que pour avoir deux dos, ça va être très compliqué. Je dis ça, en fait, c'était tout seul. Bon, on va récupérer tout ce qu'on peut, déjà. Récupérer tout l'équipement possible parce qu'on en a besoin. Parfait. On va récupérer tout ce qu'on n'a pas pu récupérer. Alors je crois qu'il nous manque des mines. Un couteau.
des carreaux supplémentaires. Ok, là on est large. Oula. Parfait. Léon, stop. Non, t'approche surtout pas. T'es blessé. Attention. Non. Allez-y, poursuivez. Non. Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. Pitié, pitié. Espèce de... Oh oh, c'est quoi ça? A qui nos despedimos, Signor Kennedy? Wow. Lui, il n'utilise pas son grappin. Bon, il n'y a plus qu'à remonter. De toute façon, on devra remonter un moment. Tiens bon, Ashley. Je vais venir te chercher. Une herbe. Lui, il s'est planté. Ça, tu peux le lire. Oh non. Je l'ai vu avec ses yeux verts. Je t'ai vu, saloperie.
peut-être un truc là, non? Note d'un prisonnier encore un mort. Combien de jours ont passé depuis qu'on me jetait ici? Les maigres restes de notre que l'on nous avait donné au début sont distancés. Nous n'avons plus rien. À la fin, un soir, ancien soutenu que la plupart d'entre nous en sont réduits à boire cet eau noire. Le premier à s'être transformé était Herminio. Lui qui était pourtant faible au point de plus pouvoir marcher, soudainement venu fou. Le temps que sa fureur prenne fin, deux personnes sont mortes. Je pense que nous ne devons pas toucher à cet eau noire. Ce cher Abelardo est mort à son tour. Il se sera battu jusqu'au bout. La seule chose que je peux faire désormais, c'est honorer les corps de tout le monde et prier pour que leurs âmes trouvent enfin la paix. Ô Seigneur, pourquoi nous infliges-tu une telle épreuve? Une autre couronne, écoute. Hein. Est-ce que je peux la ressortir celle-là? Ouais, 100 000 pièces. Je peux pas la récupérer. Oh, attends. Voilà, on fait des trous dans les murs. Oui, on est très sympa. Normalement, j'ai rien oublié. Oula. Ah, j'en ai marre. Est-ce que c'est ce que l'endroit... Oh non. Est-ce que c'est cet endroit? C'est toujours ça de prix. Ici, on va éviter de louper quelque chose. Wow. De louper quelque chose parce qu'on sait jamais. Ah, est-ce que tu serais là, petit? Ça va, petite châtelain? Ah, n'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Alors, bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes, étranger? Oh, rien de plus facile. Je sais ce que je vais acheter. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. J'ai une intuition. Moi de dire ça, je sais, mais parfois les choses sont plus amusantes avec des règles du jeu équitables. Tu ne crois pas? On se demande pourquoi il dit ça. Hein. Reviens quand tu veux, surtout. Non, merde, je me suis trompé. Bon. Pour moi, ça me prend une sauvegarde intermédiaire, mais si j'oublie un trésor, mais je pense pas. Yes. C'est
Peut-être que j'optimise encore des trucs. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une. Écoute, j'optimisais cette capacité. On commence à bien cerner tes goûts étrangers. Voilà. Est-ce que fais bonne route? Si j'ai un lance-roquette, je le prends pas par hasard. Je me rappelle un peu de cet endroit, je garde pas un bon souvenir. Attends, il y a encore un trésor d'extension. Attends. De la qualité, rien que de la qualité. Une spinelle, allez hop. Ah oui, donc c'est là, je m'en souviens. Je sais ce qui m'attend. Alors... Demandeur, Isidro Uriatet à la Béra, l'installation 2 novembre 2002. Les douches d'azote liquide nous ont été demandées le mois dernier ont bien été installées. Avertissement, l'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse pour entraîner des brûlures chirurgicales, la cécité voire la mort. Veuillez faire preuve de prudence lors de sa manipulation. Ok. Bon, j'ai assez de balles de fusil. J'en ai une trentaine. Petite grenade aveuglante, en plus je dirais pas non, tu vois. Ok. Il ne veut pas être trop près. Au moins. Alors, chronique de recherche 3. Mais 9 ans après mon éveil, lorsque j'ouvrirai cette voie, ce liquide noir entrera dans mes veines et circulera dans tout mon corps. Je m'attendais à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience. C'est un honneur du très sacré de la Renaissance. La prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je serai le véritable serviteur de Maître Ramon. Moi, Isidoro Uriarte de la Béra, je fais ce serment. J'irai au-delà des limites humaines, je deviendrai un serviteur de Dieu. Je traquerai les artistes sur leur bureau, leur verdugo. D'accord. Isidoro Uriarte de la Béra, c'est l'un des verdugos. Parce qu'il y en a deux, hein. Des balles de pistole. Une émeraude en plus. Il y a un autre trésor là-bas, ok. Ces gens ont un problème. Oh, lui, il a mal fini. Hein. Avis de coupure d'électricité. Afin d'économiser l'électricité, le courant a été coupé pour certains équipements, notamment l'ascenseur. En cas de besoin, vous pouvez le rétablir à l'aide du disjoncteur situé au fond du laboratoire. Ok. Couteau de botte. Je vérifie que j'ai rien oublié. Une caisse. Une herbe rouge. Voilà, le stock de grenades aveuglantes tournait bien. Tu m'avais pas manqué, toi.
Ah, j'ai plus de place pour de la ferraille. Pas grave. Ok. Il y a quelque chose qui me suit, je sais pas ce que c'est, mais... Ça peut faire peur. On va pas aller chercher ça. Attends. Il faut peut-être du courant. Là, il te la saute. J'appuie sur B là, tu te moques de moi. Ça, c'est de l'azote aussi. Dis-moi qu'il y a de l'azote dans le coin. Waouh, t'es moche. Et j'ai... Voilà, il m'a saoulé. En plus, je fais le succès déverrouillé, inspire, expire. Et un monocle en or. Voilà. On n'a pas perdu de temps. Je crois que j'en ai plus. L'ascenseur se met en route. Ok. Mais avant, je récupère ce foutu trésor. Un diamant jaune, ça se prend. Et en principe, on n'a rien oublié. Attends, je suis pas allé là. Hein. Est-ce qu'il y a peut-être des trucs? Ah, des munitions de piston. Ah, il y avait pas mal d'équipements. De magnum, moi je dis oui tout de suite. Encore de la ferraille. Let's go. Ah, mes flashbacks! Pauvre petit agneau. De
la souffrance peut prendre fin, comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoints dans la communion désormais. Elle est notre chair, notre sang. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. Oula. Tiens, tiens. Je vais te faire un prix d'ami. Ah bah Louis, il tombe à pic. Bon bah c'était le chapitre 10, j'espère qu'il vous a plu, il aura mis un peu de temps, mais au moins on a fait le nécessaire. On va faire un petit peu le résumé du chapitre. Alors le profondeur de l'enfer, final chapitre 10, inspire, expire, vaincre le verdugo, arrêt un objet lancé avec un ennemi, 1200 PC. Bah c'était cool, 82,6% de précision. Plutôt propre. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce chapitre 10 YouTube, on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous, ciao ciao.